Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Donc bienvenue sur Laurie l'Afro. Donc cette chaîne YouTube, l'objectif c'est vraiment de vous accompagner tout au long de vos de comment prendre soin de vos cheveux. Ici on parlera du cheveu crépus, de businesses, de sport, de God of course, et puis de lifetime, de ma life, tout simplement avec des story time. Ça fait un moment que j'étais pas là, mais voilà, de retour. Donc ceux qui sont tout nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et bien évidemment commenter. Donc aujourd'hui, en fait, je reviens après des années justement sur sur, on va dire, on m'a tellement demandé ça, sur quel type de produit j'utilisais pour mes cheveux. Là, comme vous voyez, bah, j'ai fait une petite coupe protectrice, merci à ma maman, parce que c'est très cute, comme vous pouvez le voir. Mais donc voilà, donc bienvenue sur ma chaîne, en tout cas pour les nouveaux et les nouvelles. Mes kings and queens, franchement, vous m'avez grave manqué, mais tellement, mais c'est pas, ils sont nés passés des choses dans ma vie. Et je pense que je reviendrai sûrement avec des story time. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, mais sûrement. Mon objectif, en tout cas, c'est d'essayer de, d'essayer tout simplement de revenir petit à petit et d'être un peu plus disciplinée, sachant que je sais que j'ai des vidéos déjà faites auparavant, mais je vais vraiment essayer d'être un peu plus disciplinée et plus rigoureuse sur, sur ma chaîne YouTube, parce que voilà, comme vous le savez, l'objectif c'est vraiment que l'on grandisse ensemble, et l'objectif c'est vraiment de vous donner des tips, énormément de tips, notamment sur le cheveu crépus, capillaire si vous préférez. Et donc voilà, donc en tout cas, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles, et ceux qui me connaissent déjà, voilà, je suis de retour. Bref, en tout cas, je suis ravie de revenir, ça faisait un long moment. Mais je reviendrai par une story time plus tard. Aujourd'hui, ça sera vraiment une vidéo où je vais vous présenter vraiment les produits dont j'utilise au quotidien. Et je vous dirai également quels sont les bienfaits et pourquoi je les utilise. Après, comme je vous ai dit, l'objectif dans le cheveu, en fait, avoir des... Quand vous faites vos soins capillaires, l'important, c'est vraiment de connaître vos cheveux, comme j'ai toujours dit sur mes vidéos en fait, précédentes. Connaître ses cheveux, en fait, c'est... Ça veut dire tout simplement que vous devez en fait connaître votre typologie, enfin votre votre typologie de cheveux, votre en fait il y a plein d'étapes, comme je dirais, à connaître tout simplement. Je vais pas me répéter parce que les vidéos vous les avez déjà, mais vraiment l'important c'est connaître vos cheveux, connaître également le type de vos cheveux, donc voilà, vraiment la typologie de vos cheveux, le type de vos cheveux, la densité aussi de vos cheveux, ce qui est très important. Comme vous savez, moi j'ai des cheveux très peureux. Très poreux, pardon, parce qu'on va me dire, ouais, Laurie, c'est porosité et non peurosité, je sais, mais bon, comme je parle vite, vous connaissez déjà. Et puis comment dirais-je, et en fait, moi, j'ai vraiment un 4, en vrai, j'ai un 4C, j'ai un 4B, en fait, j'ai vraiment trois textures qui perdurent, si je puis dire. Donc voilà, en tout cas, là j'ai mis les produits, et donc je sais pas si vous allez bien voir, mais de toute façon je vous mettrai également la photo, comme ça au moins vous verrez le type de produit que j'utilise. Après, pour vos soins, moi je vous conseille vraiment d'avoir un shampoing, après shampoing, comme je vous ai toujours dit, sans sulfate de préférence, sans parabène. Et là je vais opter surtout sur des shampoings un peu plus naturels, notamment avec Aromazone. J'ai aucune, en tout cas j'ai aucune... je suis pas sponsorisée par eux, mais en tout cas, tout ce que j'utilise, c'est vraiment sur Aromazon. Ils font tellement des bons trucs. Après, Amazon aussi, hein, pour les budgets un peu plus corsés. Mais je pense que Aromazon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de choses très chères que l'on peut trouver, par exemple, chez nous, chez l'Indien en bas, ou exemple les magasins indiens, etc., qui sont un peu plus chers. Mais c'est vrai que c'est des produits en fait pour nos cheveux, mais ça a tendance à être un peu plus cher. Là c'est vraiment ce que j'utilise ces derniers temps. Après je vous ferai vraiment un essai tout simplement, un essai d'autres produits que j'utilise en général, que je n'ai pas ici vu que c'est fini, mais en tout cas je vais vous présenter ce que moi j'utilise, et comme j'ai dit, c'est vraiment à titre
d'informations. L'objectif n'est pas que vous utilisiez le même type de produit. Parce que comme je l'ai dit, nos cheveux, ils sont différents. Moi, ce qui peut marcher pour mes cheveux ne va pas forcément marcher pour vos cheveux. On va être honnête, d'accord ? Donc, on peut avoir un 4C, nous deux, ou nous tous. Mais ce 4C peut être différent. Voilà, il y a la génétique qui prend le dessus aussi. Il y a l'hérédité. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et nos cheveux, c'est ce que j'aime, c'est nos cheveux, c'est que nos cheveux, ils sont tous différents, en fait. Ils se ressemblent, mais ils sont tous différents, et même, on le voit même par la texture, etc. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment à titre informatif, je ne vous demande pas de les utiliser. Après, je peux vous le conseiller, vous pouvez l'utiliser et tester sur vos cheveux si éventuellement ça marche avec vos cheveux ou autre. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, en mode, ouais, c'est vrai que ce produit, j'aime bien, il me va bien, etc. Et moi, je vous dirai aussi quel produit j'utilise plus trop, bah, parce qu'en fait, mes cheveux, tout simplement, n'aiment pas du tout. Et donc là, je change petit à petit aussi de routine capillaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à avoir également aussi une routine, en vrai, une vraie routine capillaire, ce qui est très important. Notamment quand on commence vraiment dans la prise de soin de nos cheveux. Malgré que nos cheveux, on a des cheveux, comme l'on dit, voilà, on dit souvent que les noirs, généralement, il n'est pas très recommandé de se laver tous les jours les cheveux. C'est bien vrai, nos cheveux n'ont pas besoin d'être lavés, on va dire, tous les jours, on va dire toutes les semaines. Voilà, donc trop d'excès n'est pas bon, d'accord, et néfaste pour tout type. Je pense qu'on dans la vie générale, c'est pas forcément bon signe. Mais franchement, essayez d'adapter en fait votre routine, donc par exemple toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, selon vos cheveux et selon aussi en fait, si vos cheveux sont tout simplement aussi sales, en fait, tout simple. Et vous le ressentez, en fait, des cheveux sales, vous le ressentez, vous le savez, que vos cheveux sont très sales. Généralement, vous avez, voilà, des démangeaisons. Moi, je sais que mes cheveux deviennent très gras, très sales, très secs. Je sais très bien que là, il est temps de faire mes soins, parce que mes cheveux en ont besoin, tout simplement. Donc, voilà, je commence. Donc là, je ne sais pas si vous pourriez m'entendre, parce que du coup, il y a mon petit micro, mais je pense que vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Mais de toute façon, je vous remettrai en fait les produits, parce que je ne pense pas que vous voyez très bien. Mais donc moi, ce produit, ça, c'était l'une de mes pépites. En fait, c'est la marque, c'est pas Pantene. Et c'est une marque, ça, par contre, je l'avais eu sur Amazon. Ouais. Sur Amazon, pour être plus près, ouais, sur Amazon. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que je le trouvais pas en France, on va pas mentir. En fait, c'est Pantene Truly Natural Hair, donc c'est vraiment pour les cheveux crépus. Et en fait, c'est un gouache, donc vraiment c'est un gouache, donc un shampoing. Ça, c'était mon shampoing, donc c'est vraiment le shampoing cleaning conditioner, si vous voulez. Instantly moisturize without stripping natural hair. Donc voilà ce que moi j'utilise généralement. J'en ai presque plus, mais si vous le trouvez, vous pouvez le trouver sur Amazon. J'utilise ici, et de toute façon, je vous mettrai également aussi les photos après, parce que je pense que vous voyez pas très bien non plus. Donc je vous prie de m'excuser si vous voyez pas en tout cas. Et donc ça c'est le deep conditioner ici. Donc ça c'est le deep conditioner, toujours de la même marque. On va dire le point positif sur ce produit, c'est qu'en fait ça aide justement à restaurer et à hydrater nos cheveux. Donc help to restore while detangling natural hair. Donc c'est vraiment pour le démêlage également, c'est vraiment pas mal ce que j'utilise. En fait, c'est un après-shampoing si vous préférez. Donc ça, je l'utilise de temps à autre, pas tout le temps, je vous avoue, pas tout le temps, mais je l'utilise quand même assez souvent. Et ensuite, j'utilise ces derniers temps, ça c'est vraiment shampoing après-shampoing. Je vais vous montrer vraiment les gammes shampoing après-shampoing, et je vous montrerai après les crèmes que j'utilise, les différents masques que j'utilise, qui sont pas mal aussi. Comme ça, si vous voulez tester, n'hésitez pas. J'ai ensuite, donc là je vous ai montré le shampoing après shampoing, ensuite j'ai un autre shampoing de Garnier cette fois-ci, que j'aime beaucoup, mais franchement la marque Garnier, en plus elle est pas chère, je m'approche de la caméra en fait parce que c'est un peu loin,
tous mes produits, je les ai mis sur ma table, mais c'est très très loin. Donc voilà, ensuite après j'ai donc ça, est-ce que j'ai le shampoing de cette marque? Et ensuite j'ai ça aussi, ça je vous l'ai déjà montré sur mes vidéos, j'en ai presque plus en plus, j'en ai vraiment plus, mais donc c'est la marque c'est Aussi Color Matte, et donc là c'est le conditionneur, donc c'est vraiment l'après-shampoing, c'est vrai que c'est une toute petite bouteille, donc bon, en vrai de vrai, si vous lavez au jeu toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines, ça finit très très vite. Mais après, c'est pas très cher. Enfin, je sais que je l'avais eu à Leclerc, il me semble. Donc, je pense que vous pouvez le trouver dans des grandes surfaces. Et moi, celui que j'ai pris, c'est... bah voilà, c'est pour, en gros, pour les cheveux. Bon, ils disent coloré, mais moi, j'avais pas de cheveux colorés. Mais j'ai bien aimé celle-là. Enfin, j'ai bien aimé ce... Bon, en fait, j'ai bien aimé ce produit, en fait. Ça rend mes cheveux tellement doux. Il rend mes cheveux vraiment doux, mais je préfère le shampoing en tout cas. Mais j'ai le, du coup là c'est que j'ai que l'après-shampoing, parce que le shampoing je pense que je l'ai fini. Et c'est 225, même pas, que je dise pas de bêtises, c'est 250 ml. Ensuite, ça c'est toujours pour les shampoings. Ensuite j'ai mon shampoing, ça je l'avais eu par contre, c'est ça date, parce que si vous voyez bien ça date, il y a un peu de Deutsch je pense, ou du ou du flamand il me semble, ça c'est vraiment typiquement belge, mais du coup ça c'était voilà, c'est toujours Garnier ultra doux, et c'est Garnier ultra doux, en fait ça apaise tout simplement, apaisant. Donc là c'est hypoallergénique, donc c'est toujours pas mal, et en plus comme je vous ai dit, vous avez toujours le petit truc ici pour les cheveux, voilà, ils le précisent, donc pour les cheveux sensibles, et là ils le disent également, donc les cheveux et le cuir chevelu délicat, qui n'est pas mal aussi. Toujours le shampoing Garnier, ça c'est mes bébés, j'ai carrément toute la gamme quasiment, il manque plus que le... J'avais aussi la crème, mais je l'ai plus, parce que j'ai fini la crème, j'avais la crème mais je l'ai fini. J'ai également celui-ci, ça c'est ma pépite, ça c'est vraiment le shampoing que je... Ça c'est mon favori, hein. Le shampoing à l'avocat, ultra doux Garnier à l'avocat, mais c'est trop... Oh my god, sorry Jesus, but this one, nah, it's amazing. This shampoo is something else. I recommend you guys this shampoo for real. Et donc ce shampoing, en fait, il est à l'avocat. Donc l'huile d'avocat et beurre de karité. Franchement, il fait vraiment son travail. Il nourrit et assouplit les cheveux, notamment les cheveux très secs ou frisés. Et là, vous voyez que c'est assez d'origine naturelle. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai quoi d'autre? Ah oui, et là vous le voyez, c'est sans silicone, c'est marqué tout en haut. Donc ça j'aime trop. Lui, franchement, je lui mets un... Si je devais le noter, franchement, je mettrais une note, ouais. Un bon 9. Un bon 9 sur 10, franchement. Ça, ce shampoing-là, rien à dire. Et puis après, j'ai également... Pour le coup, j'ai également l'après-shampoing. J'en ai même deux, mais voilà. Donc j'ai l'après-shampoing, toujours la même marque. Toujours l'huile d'avocat et beurre de karité, qui est vraiment pas mal, que j'aime beaucoup. Donc là, en fait, l'objectif, en tout cas, de cet après-shampoing, c'est qu'il... ouais, en fait, c'est pour le démêlage, voilà. Ça facilite le démêlage. Il nourrit et assouplit nos cheveux. Là encore, c'est toujours pour les cheveux très secs et ou frisés. Donc voilà, et c'est sans silicone, une fois encore. Et donc l'objectif, voilà, c'est vraiment une nutrition intense, comme ils le disent. Et il fait bien son travail, parce que mes cheveux sont tellement doux quand je les utilise aussi. Et enfin, j'ai toujours de la même gamme, toujours Garnier ultra doux. Donc là, j'ai le masque, toujours à l'huile d'avocat, enfin l'huile d'avocat, je vais y arriver. L'huile d'avocat et beurre de karité. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc là, vraiment, en plus, ils vous disent donc des recettes pleines d'amour et de soins. Des années de savoir-faire concentré en un soin. C'est trop mignon. Et donc voilà, franchement, pas mal du tout. Ah, bon, en plus, ça, j'avais pas... Je fais attention, mais j'avais pas bien... J'ai pas du tout vu comme ça. Mais en gros, ce qu'ils disent... Alors,
tout le savoir faire ultra doux dans le soin intensément nourrissant. Donc premièrement, en termes de nutrition, donc nutrition sur mesure, donc une recette de soin concoctée par les cheveux très secs ou frisés. Ultra doux associe l'huile d'avocat aux propriétés assouplissantes et beurre de karité, issu d'un commerce équitable au Burkina Faso. Ah pour révéler donc la brillance et nourrir les cheveux intensément. Après, en termes de parfum, donc un parfum gourmand, donc nos ingrédients ont été choisis avec soin pour développer vos cheveux d'un parfum subtil et gourmand. Profitez donc d'un vrai moment de plaisir. Ce qui est pas mal, ensuite après, la texture crémeuse. Et là, en fait, ils vous disent vraiment l'application. Donc, enveloppez vos cheveux d'un masque riche et intensément nourrissant qui les rend instantanément plus sains et plus doux au toucher. Appliquez-les sur les longueurs. Donc moi, quand je les applique, c'est vrai, je le mets. En fait, je fais vraiment en fait des longueurs aux pointes. Et donc ensuite, je laisse poser. Normalement, on peut laisser poser allez, 3 à 5 minutes. Moi, j'avoue, je force. Généralement, je pose genre 15, 20 minutes, voire 30 minutes ou une heure. Ça dépend vraiment parce que en fait, j'ai aussi le bonnet chauffant que je vous montrerai aussi bientôt, je pense, mais qui est vraiment pas mal. Donc ça, vraiment, j'aime trop. Donc voilà, extrait d'origine naturelle, c'est biodégradable, formule vegan, ça en plus pour vous hein, les véganes, là moi je suis pas végane mais bon c'est jamais pour vous les véganes là, les véganes, donc ça c'est pas mal pour vous aussi. Ensuite ben, voilà, beurre de karité du Burkina Faso qui est pas mal, bah là j'avais découvert parce que je savais pas que c'était au Burkina Faso. Sachant que ces derniers temps, il y a un peu de litige. Like, too much pressure. Too much pressure, right? So, this is it. And, of course, là, c'est vraiment fini pour la gamme Garnier. Et ensuite, j'ai un autre masque, je vais y arriver. So, I got this mask. Toujours de Garnier. So, it's Garnier. Fructis. Et donc là, c'est un masque toujours nourrissant. Et puis, Air Food Banane. Ça, c'est la banane. Mais ça aussi, je recommande à 110%. Même pas à 100%. 110%. Je vais pas vous lire aussi les composants. Mais c'est vraiment pas mal. En termes d'utilisation, donc là, on vous indique en gros comment l'utiliser. Donc voilà, en gros, le soin des mélons appliqué sur vos cheveux mouillés pour instantanément démêler et nourrir sans alourdir. En masque, du coup, appliquer sur vos cheveux mouillés, laisser poser 3 minutes et rincer abondamment, pleinement nourrir les cheveux très secs. Et mes cheveux, c'est vrai qu'ils sont généralement ils sont secs très rapidement. Et donc voilà, ensuite après on vous dit en soin sans rinçage, sur cheveux secs ou mouillés, appliqués sur les longueurs, vos cheveux sont nourris en profondeur, plus doux, et ça c'est vrai, plus longtemps. Donc venez découvrir les astuces Fructus. Et franchement, ce Fructus là, non mais lui j'aime trop, en plus ils sont hyper bons à la banane. Donc franchement, je recommande totalement, et là encore, vegan, voilà. Garnier, franchement, ils sont forts, hein. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est pas cher, like, you can have it everywhere. I don't know if you guys are in, you know, in, not in, in USA, but somewhere where you guys speak English, right? For example, in London, I know you can get, you can have it in London also. In US, maybe I should check, but I think you can have it also in the supermarket. It's accessible, so this is it. But it's in French, so I don't know if you guys have it, but I recommend it for real. Et bon, ensuite j'ai les produits que j'utilise plus trop.
Avant, j'utilisais beaucoup parce que mes cheveux, ils aimaient. Mais comme je vous ai dit, vos cheveux, ce qu'ils peuvent aimer pendant des années, ça peut changer. Moi, je sais qu'avant, ça marchait pas mal. Je l'utilise aussi quand vraiment mon favori, y en a plus. Pour éviter de trop assécher mes cheveux. Mais généralement, j'utilisais la marque Contour Shea Butter. Right, leave-in conditioning, repair cream. Alors là, ce qu'ils disent, donc provide intense moisture, leave-in hair soft and manageable, formulated for damages. This is it, and then you have the You have every information to how to use it, just here, right? Donc voilà, franchement il est pas mal aussi, mais je suis pas, enfin, je l'ai utilisé quand je débutais ma carrière, quand je débutais dans mes cheveux, dans la prise de soin de mes cheveux, mais maintenant je l'utilise plus trop parce que c'est pas, enfin je suis pas plus totalement fan. Ensuite j'ai ça aussi. Toujours de Contour Shea Butter. Et donc là, c'est for natural hair, like you say, hydrating. Cream conditioner, ok. Là, ils nous disent made for curls, waves, etc. Et en gros, l'objectif, donc, c'est help hair retain natural oil. Rehydrating hair, great for natural and colored hair. Donc j'avoue, si vous avez aussi des cheveux en mode cool, enfin vous aimez bien mettre des couleurs sous vos cheveux, là comment on appelle ça, je sais même plus comment on dit, mais en gros si vos cheveux ils sont, voilà, vous avez coloré vos cheveux, ça aussi c'est vraiment pas mal. Mais moi maintenant j'aime pas trop, enfin je... En fait quand je les mets, le problème c'est que ça, c'est après, je trouve que ça reste pas longtemps. L'hydratation ne reste pas longtemps en fait. Comme je vous ai dit, j'ai des cheveux à forte porosité. Donc normalement, donc ouais. Après, franchement, il est pas mal. Hein. Franchement, si il est là dans mes listes, c'est qu'il est vraiment, il est pas mal. Mais c'est pas un top. Sur une note de 0 à 10, je mettrais un bon 7 quoi. Un bon entre 6 et demi 7. Franchement. Ensuite, par contre, là, celui-là, j'en ai même plus. Faut que j'en rachète. Lui, oh, nah, this one, hell no. C'est toujours de Contour. Et là, c'est, en fait, c'est à l'avocat. Donc, avocado. Donc, en fait, une crème. Donc, ça, c'est vraiment une crème que j'utilise. Mais cette crème, je l'utilise tout le temps. C'est vraiment ma crème favorite. Elle est incroyable. Mes cheveux, ils sont adoucis, mais totalement hyper doux. En termes de démêlage aussi, c'est hyper... En fait, ça me permet de démêler mes cheveux. Moi, je crains des cheveux. Je pense que, comme vous me connaissez déjà, je crains beaucoup des cheveux. Donc, quand moi, je démêle mes cheveux, ils sont... Et de base, quand vous démêlez vos cheveux, en tout cas, un conseil, démêlez vos cheveux mouillés et non des cheveux secs parce qu'en fait, vos cheveux vont se casser. Et là, clairement, c'est pas une chute, mais c'est vraiment une casse parce qu'en fait, vos cheveux, ils seront secs et généralement, nous, les Noirs, on aime bien, en fait, peigner nos cheveux en mode avec le gros peigne afro... Alors que pas du tout, non, on est censé, on est censé faire bien les choses en 2024, d'accord. Mais franchement, cette crème, elle est magnifique, j'aime trop, en plus, elles sont hyper bonnes. Et en tout cas, vous pouvez l'avoir, moi, je l'ai eu à Leclerc de mémoire. Il y a un Leclerc pas loin de chez moi, mais je pense qu'à Carrefour, faut essayer de regarder, mais je sais que vous pouvez accéder facilement, quoi. En termes de prix, je sais plus c'était combien, mais... De mémoire, je crois que c'est moins de 5 euros. Hein. Moins de 5 euros. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est une pépite. J'aime trop. Et c'est vrai que je ne vous ai pas dit tous les prix des autres parce que je ne me rappelle plus. Il y en a certains, ça fait un moment que je ne les ai pas. Je ne sais pas si je vais vous montrer mes huiles parce que, en vrai, j'ai plein d'huiles. Là, j'en ai pris que deux. Allez, trois. J'ai pris trois huiles que j'utilise pleinement ces derniers temps. Mais j'ai plus d'une dizaine d'huiles, en fait. Ça, c'est ce que j'utilise aussi. Comme je vous disais, Aromazone. C'est vraiment pas mal. En fait, c'est des protéines de riz.
Et c'est hyper bien pour les cheveux parce que bah, en fait, ça permet justement d'hydrater les cheveux, de les fortifier et de les rendre aussi brillants, très brillants. Bah, le riz, je pense que vous savez que le riz a beaucoup de comment je pourrais dire ça ? En fait, a beaucoup d'efficacité. C'était pas le mot efficacité que je voulais, mais bon, voilà. Il avait vraiment beaucoup de bienfaits. Voilà, c'était le mot. Beaucoup de bienfaits. Et donc là, voilà, c'est utilisé... En fait, l'objectif, c'est vraiment... pour le volume également, je sais quand je l'utilisais, bah, si vous voulez avoir aussi du volume, ça c'est franchement protéines de riz au top parce que du coup ça rend mes cheveux hyper volumineux, je vais y arriver. Et on peut l'utiliser pour, bah, en fait, pour les soins du corps, visage et autres. Moi je l'utilise pour tout, surtout pour mes cheveux, mais c'est vrai que je vais commencer à avoir pour ma skincare si un marche. Après j'ai aussi donc, mon huile de coco. Coconut oil, right? Donc là, l'objectif, enfin, je pense que vous connaissez déjà les feux. Je vous mettrai aussi les bienfaits de l'huile de coco. Bah, de toute façon, ça a plein de bienfaits, même sur le corps en général. Donc voilà, to the skin and gently massage it. Donc là, ils nous disent vraiment la procédure, comment l'utiliser et quoi d'autre. Ouais, restore moisture and light massage it. Light massage. Message. All right. Avec mon accent là, MDR. Ok, donc bref, ça. Et après, j'ai l'huile d'avocat. Avocado oil. J'en ai presque plus, mais cette huile, c'est mon huile favorite. En plus, elle est hyper légère, donc j'aime trop. J'utilisais aussi avant l'huile de ricin, que j'utilise encore, mais le problème, c'est que l'huile de ricin, c'est hyper gras. En fait, c'est hyper gras et c'est hyper lourd. Et donc, bah, des fois, en fait, j'aime pas... Enfin, la sensation sur mes cheveux, j'aime pas trop. Après, il y a beaucoup de bienfaits. Mais ces derniers temps, j'utilise... Je l'utilise, mais pas trop non plus. Ensuite, j'ai... Ça, c'est l'huile de chez B. Mais en gros, c'est fait... je pense que c'est fait maison. Et franchement, l'huile de chez B, mais... Je recommande. Je recommande à 110%. Et enfin, pour finir, j'ai également, bah, du coup, ça c'est plutôt de l'huile végétale. Donc j'utilise aussi des huiles végétales. Ça c'était plutôt de l'huile en général. Et ça c'était ma petite huile végétale. Ça encore, je l'ai eu chez Aromazone. Et en fait, c'est de l'huile de fenugrec, si je prononce bien. Fenugrec, pardon. Fenugrec. Et en fait, En gros, c'est bien fait, c'est vraiment un aspect stimulant, fortifiant également. Et puis, bah, en fait, cette huile est utilisée pour réparer et pour préparer donc, les soins capillaires et booste donc la pousse. Donc vraiment, si vous voulez, si vous êtes là en mode, ouais, je veux que mes cheveux poussent, franchement, fenugrec. Et pas mal, mais vraiment recommande. Et après j'ai mon petit spray d'eau. Bon, après c'est un spray d'eau vraiment vide, il y a rien, il y a que de l'eau. Dans mon spray d'eau, moi je mets en fait de la glycérine végétale et de l'eau, tout simplement. En fait la glycérine végétale, c'est ça permet justement ça permet d'entretenir, en gros, voilà quoi, ça garde justement, et en termes d'hydratation, ça aide énormément en tout cas. Donc ouais, moi j'ai juste de l'eau, glycérine végétale, et je sais qu'il y a un autre truc, ah oui, et de l'huile, c'est tout. Mais l'huile que j'ai mise, je crois que c'était de l'huile d'olive, et j'utilise aussi beaucoup d'huile d'olive, franchement, l'huile d'olive que vous avez dans la cuisine, ça a tellement de bienfaits. Moi, en tout cas, ça assouplit mes cheveux et ça aide pour la brillance. Je l'utilisais aussi beaucoup pour le volume. De toute façon, je vous montrerai aussi ma photo. Une photo quelque part, en tout cas, dans le montage. Mais je vous montrerai une photo, en tout cas, de mes cheveux. Parce qu'ils ont très 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 bien poussé. Là actuellement, bon, je suis à MBL. Mais je pense que vous le savez, je suis déjà à MBL. Et franchement, en fait, là, mon objectif, c'est ça arrive à Westland. Et donc, en gros, mes mèches, ça, c'est vraiment mes mèches. Mais mes vrais cheveux, là, actuellement, MBL, je suis là. Je sais pas si vous voyez là, mais je suis ici, quoi. MBL, là. Genre là. Là.
Je vous montrerai également une vidéo pour voir, pour que vous voyez en fait la longueur de mes cheveux. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Dites-moi aussi si vous avez essayé les produits. Comme ça, en commentaire, vous me dites oui, si vos cheveux, ils adhèrent ou non. Et puis avançons ensemble, en tout cas. Je suis ravie de revenir, ça faisait tellement longtemps. Et je sais qu'à chaque fois, je dis, je vais essayer d'être disciplinée. But guys, to be honest, sometimes I'm so lazy. Like, sometimes I was lazy and I was waiting for my new phone also. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'avec mon ancien téléphone, c'était une galère en termes de place. J'avais plus de place. Moi, je suis quelqu'un, j'ai énormément de musique. j'ai énormément de photos sur mon téléphone. Je crois que j'en ai plus de 13 000. Et là, dites-vous que j'ai acheté le nouveau, mais je savais pas que quand on achète le nouveau et quand on relie en fait iTunes, OutCloud. En fait, je retrouve tous mes fichiers. Tous mes fichiers reviennent dans mon nouveau portable. Donc là, je vais m'amuser à tout supprimer un à un. Et là, ça va, comme c'est un nouveau téléphone, il y a encore un peu plus d'espace. Et de toute façon, j'ai deux TO. Allez, quatre. Au total, j'ai deux. J'ai un disque dur avec un TO. J'ai le disque dur OutCloud qui est à 2 TO que je paye du coup. C'est 9,99€. En plus, après, de iTunes, parce que moi, les musiques, c'est toute ma vie. Et ensuite, j'ai également acheté un 2 TO. Je crois que c'est Toshiba la marque, je sais plus. Mais en gros, voilà, j'ai pas mal de disques durs là, d'accord, pour pouvoir justement garder de la place, parce que là, c'est une galère. Sinon, je vous dis, les gars, c'est trop dur. Donc, anyways, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, aux nouvelles et aux nouveaux, mes kings and queens. I missed you guys. Like, I miss you guys a lot. Thanks for watching again. We will talk often. I hope so, and I will work to be consistent. To be honest, my goal is to grow on this YouTube channel. And thanks to you guys for watching, for your time to listen to me. Et en tout cas, n'hésitez pas, mais vraiment pas, à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram également. Je pense que ces derniers temps, je suis plus trop aussi sur les réseaux. En fait, Instagram a tellement changé que revenir, je vous assure, this is boring, Meta, franchement, Meta, zuc, fais un truc là, parce que c'est pas normal. Tout change, l'algorithme change. Et au final, voilà. Et je suis sur TikTok aussi, je vous montrerai mon TikTok. Mais pour le moment, j'ai pas trop envie de vous donner mon TikTok, parce que j'ai pas grand chose dessus en termes de contenu. Mais je mettrai tout ça après. Et je pense que de grandes choses arriveront d'ici là. Franchement, je l'espère, avec joie et impatience. Beaucoup de choses vont arriver sur cette chaîne. Je dis pas trop, mais beaucoup de choses, si je suis disciplinée en tout cas. Mais là, je vais vraiment essayer d'être disciplinée et d'essayer. Là, franchement, je me challenge, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'être avec vous et de vous poster des vidéos assez souvent, genre allez, le dimanche ou le samedi de chaque semaine si j'y arrive. Et comme ça, on pourra échanger en termes de topics aussi. Je pense que je ferai aussi peut-être des lives aussi sur YouTube. Je sais pas comment on fait, mais je pense que je ferai. Et je serai aussi assez active sur Instagram. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de choses en sont arrivées. Je vous parlerai également de mon nouveau job, parce que de Infi, on est à HR. So I'm HR. So now I'm HR, right? I'm a tech recruiter in France for the moment. But anyways, thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe, click the button, hit the button, hit the bell, right? Comment, share, and of course, subscribe to all my social media accounts. I will come back soon, so don't forget to check up on me, guys, all right? Kiss, kiss, kiss. I love you guys. God bless you. And if you have any question, do not hesitate to ask me in the comment section, right?
Ok. Anyways. Kiss kiss. Je vous embrasse fort. Et puis que Dieu vous bénisse. Et puis on se dit à très bientôt. Peace out.